Bonjour mon petit vaisseau, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le top. Je savais pas si j'allais ouvrir ce vlog aujourd'hui. On est lundi le 6 septembre. Voilà, je savais pas si j'allais vous faire ce vlog aujourd'hui. J'avais un doute. Voilà, j'ai pas trop le moral. Mais je vais pas en parler ici parce que voilà, j'ai pas envie que les personnes concernées puissent voir ça. Du coup, je n'ai pas envie d'en parler ici. Voilà, je suis juste fatiguée moralement. Voilà, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. Du coup, je voulais venir ouvrir ce vlog. On est lundi et je sais pas quoi, mais j'ai mes chats qui regardent par là et c'est fait bizarre. Enfin, soit, voilà. Du coup, je voulais vous revenir. Je suis toujours dans ma lecture, Meurtre et pépites de chocolat. J'avance tout doucement. Voilà. Je suis à 162 pages. Heureusement que j'ai lu un peu ce matin. Heureusement, enfin, je n'ai pas avancé beaucoup ce week-end. Je suis au chapitre, je ne sais pas combien, parce que je suis encore en plein milieu 11. En plein milieu d'un chapitre. J'aime bien, sauf que je trouve que c'est lent. Il n'y a pas trop de... d'action, du coup voilà, c'est un peu, on se lasse assez vite. Ici je vais encore essayer de lire un petit peu, je sais pas si je vais pas l'abandonner. Voilà, on suit une jeune femme qui tient un cookie jar, c'est comme ça qu'ils appellent une boutique cookie jar. Elle fait des cookies, en fait des pâtisseries et tout ça, et il y a eu un meurtre. Enfin, elle a trouvé un ami, je pense, un acheteur. Ouais, c'est ça, c'était un acheteur, enfin qu'elle connaissait, je pense. Et du coup, elle va essayer de retrouver l'assassin, qui est pas son boulot, mais voilà, elle a trop envie. Du coup, on suit son enquête. Elle recherche après des preuves un peu partout. Voilà, et un petit peu sa famille est aussi suspectée. Du coup voilà, parce que je crois que c'est son beau-père. Ouais, je crois que c'est son beau-père qui est dentiste et qui avait eu le mec qui est décédé au cabinet quelques heures avant. Voilà. Et du coup elle va chercher qui l'a tué. Du coup elle va chercher qui aurait pu faire ça. Du coup elle cherche des preuves, voilà, elle voit des choses, elle relève, elle regarde, elle essaie de trouver coupable, voilà quoi. Ça passe, ça va. Je voudrais bien essayer d'avancer parce que j'aurais bien voulu le finir cette semaine. Voilà, il fait quand même, je ne sais pas combien de pages parce qu'il veut pas me donner. 532 pages. Voilà, et je suis qu'à 162. Voilà, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Non, c'est pas possible, mais cette semaine pour commencer, continuer ma pelle de 7 ans. Voilà. Enfin, j'en ai pas mis beaucoup dans la pelle, mais j'espère essayer de la terminer et de mettre d'autres livres en attendant. Voilà. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai pas le moral. Monsieur va arriver, je suis contente parce que là j'en ai marre. Voilà, je vais vous laisser. Je suis désolée pour le début de vlog. Ça ira beaucoup mieux pour moi demain. Je reprendrai demain après-midi. Voilà, parce que là il est déjà 3h, car. Oh non, c'est 30. 38 exactement. Voilà, mais voilà. Ici j'ai fait un peu de ménage après-midi. Beaucoup reposé. Voilà, du coup là je vais aller lire un petit peu et je reprendrai demain parce que là c'est pas le top. Allez, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous, bye bye tout le monde, à demain. Bonjour ma petite soeur, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, j'ai très chaud, je n'en peux plus. Alors, je reviens dans ce vlog, on est mardi 7 septembre. Il fait très chaud, mais très chaud. Tout est fermé chez moi pour essayer d'avoir la fraîcheur, mais je viens à peine de rentrer, du coup je viens de tout refermer.
J'ai ouvert un peu les fenêtres pour avoir de l'air, mais il n'y en a pas des masses. J'en peux plus. Je voulais vous revenir parce que je suis toujours dans mon bouquin et j'en ai marre. On y va. Je voudrais bien avancer. Je suis pas encore, je suis presque à la moitié, mais pas encore. Je suis à la page 196. J'avance tout doucement. Je suis au chapitre 14. J'aime toujours bien, mais voilà. Je voudrais avoir un peu plus de. Mais je crois que le premier tome, il n'y a pas vraiment de patch. Voilà. Et du coup, je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que je vous prends, parce qu'en fait, j'hésitais à vous prendre aujourd'hui et à attendre demain, mais je vous prends quand même, parce que j'ai très chaud, comme je viens de revenir, j'étais en France, j'étais chez mon psy en France, j'ai fait 2-3 courses, et quand j'ai eu un colis, et pour une fois, j'ai pu aller le chercher directement au point de relais, du coup, j'étais allée le chercher directement, et c'est Iris. Rerandager, il est trop beau la couverture. Je sais que c'est plein de... Je ne sais plus parler. Je vais aller me coucher. Je vais me reposer après. Je sens bien que j'ai besoin de me reposer. Voilà. Je pense que je vous lirai la quatrième de couverture plus tard. Parce que là, je suis vraiment fatiguée. J'ai un coup de pompe. J'aime bien les marques. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a une petite main. Enfin, il y a une main là, une grande main, une toute petite. Mais vous voyez pas la petite main. C'est juste ici. Ah. Voilà. Et je vois qu'à chaque chapitre, il y a un truc. Oh, c'est des mains. Chaque fois que c'est des petites mains. Voilà. J'ai entendu plein de bien sur cette autrice. Blandine P. Martin. Voilà. C'est une trilogie? Est-ce que c'est une trilogie? Je pense qu'il y en a trois. Et je ne sais pas. C'est aussi un nom édité, je pense que c'est ça. Je pense. Je ne suis pas sûre. Oui, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition. Du coup, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on va parler un petit peu de Bikers. Voilà. Ça a l'air pas mal, j'ai entendu beaucoup de bien. Il se bat au quotidien pour changer sa vie et elle prête à tout pour fuir l'ennui qui la ronge. Voilà. Rien n'est plus dangereux que des éléments contradictifs s'atteint. Cela fait plus de 10 ans que Malone et Fern. C'est des noms. Puis fuit leur Irlande natale pour vivre à New York avec l'idée de leur meilleur ami Kazu et leurs deux frères ne sont contre reconstruit leur ville, une vie ici. Mais après tout ce temps, le constat ne trompe personne. Pour ne trio inséparable, le rêve d'Amérique qu'est a viré au cauchemar. Seule l'heure au bout du tunnel pour Malone, sa fille Veilleille, qui élève seule chaque jour le lutte contre un lion pour rejoindre les deux bouts. Et lui offre un cadre de vie dingue d'elle, mais il croit pour date. Bon, je vous lirai le plus reste. J'ai lu une grosse partie. J'ai lu. Voilà. Mais ça a l'air vraiment dingue. Je vous en dirai pas plus quand je l'aurai lu. Et il fait combien de pages? C'est vrai que je sais pas. Sans les remerciements, il fait 325. Bon, ça peut aller lire vite. Et le tome 2 est déjà sorti, si je vois bien. Disponible sur Amazon et chez toutes les librairies dès le 20 avril 2021. Et le tome 2 est déjà en magasin. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis crevée, fatiguée. Ah oui, j'ai juste acheté ça. Je sais, c'est quoi alors? Jiffy. Jiffy, Jenny, Jenny.
Voilà, une petite planque comme ça. Je vais essayer de mettre mon. C'est pour mettre. Je sais pas si vous allez voir, mais avec le reflet, l'écran dessus. Et je vais essayer ça. Je vais essayer de faire ça. Voilà. On va tester ça. Voilà. Ben, j'ai plus rien à vous dire. Moi, je pense que je vais vous laisser. Je vais me reposer un petit peu. Monsieur va plus traîner à arriver. Faire des câlins à mes bébés. Et voilà. Et profiter de mon ventilateur. Mon mini ventilateur. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain. Bisous, bisous. Bonjour mes petits chouchous, j'espère que vous allez bien, moi très bien, je reviens dans ce vlog, on est mercredi, je crois, mercredi, le 8 septembre, voilà, ça va trop vite les jours, les semaines, oh, ça passe trop vite. Du coup je voulais revenir avec vous parce que j'ai deux petites choses à ouvrir, du coup je voulais ouvrir avec vous. Quand même c'est beaucoup mieux. Ici il y en a deux, du coup il y a Tololo, il est trop beau, c'est Mif Percy Policeman. Voilà, c'est un manga que j'ai regardé, je ne sais plus qui, et elle en avait parlé qu'il était trop beau, du coup je me dis pourquoi pas regarder, elle est trop beau. C'est un MM, c'est deux jeunes MM, ça veut dire garçon garçon hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, propriétaire d'une petite boutique et un homme léger et insouciant, toujours célibataire à son âge. Swankanamoto, policier un peu taquin, lui rend souvent visite à l'heure de ses patrouille en réalisant que ces deux hommes se connaissent depuis plus de 10 ans, mais ce n'était pas devenu pendant des années juste à ce que Schwen soit engagé dans le petit poste de police à côté de la boutique. Malgré toutes ces années, leur relation n'a pas changé jusqu'à ce que celui-ci, c'est le nôtre nom, je ne sais pas comment, désabuse par le célibataire, finit par une demande de voix haute. Il se devrait par intéresser plutôt aux hommes, à l'idée insouciante de réaliser que la force des sentiments amoureux de Schwinn a éprouvé des secrets à Schwinn pendant 10 ans. Voilà, en fait c'est un policier et un qui tient un magasin. Le policier c'est celui-là, celui qui tient le magasin c'est celui-là, et voilà, il va avoir un petit truc entre eux, ça me tente bien. Voilà pour le premier. Le deuxième, pour le c'est un lentille lune de miel de Christina Loren chez Hugo, Hugo. Voilà, je sais juste que ça va être si je dis pas de bêtises, en fait la jeune fille qu'on suit, je ne sais pas son nom, je sais pas son nom, va devoir aller au mariage de sa sœur et elle dit qu'elle est accompagnée et du coup elle va trouver quelqu'un. Non, c'est pas ça. De lune de miel, c'est pas ça. En fait non, elle va au mariage de sa sœur et sa sœur va annuler la lune de miel et elle va aller avec quelqu'un et voilà, et je pense qu'il va avoir une petite romance tout frais tout chaud, pourquoi pas. Ça, il me tente vraiment bien. Voilà pour le premier colis. Le deuxième, je l'ai entier. Alors j'allais dire, celui-là, je l'attendais avec impatience. Lui, il sort aujourd'hui, le 8. Et je suis contente de l'avoir. C'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le volume 2. Vous avez vu dans le vlog précédent que j'avais lu le volume 1, que j'avais bien aimé. C'est un manga BD. Voilà, du coup, on va suivre la deuxième partie de Kim. Voilà.
Et je voudrais bien savoir ce qui va se passer. Je vois des scènes olé olé. J'ai vu une scène olé olé. On va pas essayer de spoiler de trop non plus. Du coup, ça se présente comme ceci. C'est un peu en couleur. C'est trop chouette. Le tome 1, je sais pas où il est. Où j'ai mis le tome 1. Il est par là, je crois. Et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être pas vu ma chronique, du coup, c'est Kim qui est juste ici. Kim qui va. Ça, c'est son patron. Qui va vouloir démissionner, donner son préavis pour partir parce qu'elle veut faire sa vie, essayer d'avoir une vie de famille parce qu'elle a envie de créer et pas. Avec lui, c'est pas possible. Jour et nuit, elle est appelée. Du coup, elle va essayer de démissionner. Et lui, il n'est pas très d'accord qu'elle démissionne. Mais je pense qu'il doit avoir un petit truc entre eux. Enfin, lui, il doit avoir un petit truc pour sa secrétaire. Mais j'en sais pas plus. Et je voudrais bien retourner dans cet univers que j'ai apprécié. C'est la première fois que j'adore, adore, 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 adore un manga BD. Voilà. Et les dessins sont trop beaux. Voilà, je suis trop contente. Vite manque, je crois que c'est en trois tomes. Voilà. Voilà pour mes trois réceptions du jour. Voilà. Il devrait en avoir encore un demain. Après, je crois que c'est tout. Si je regardais dans mon carnet, je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, après, j'ai fait une commande. Oui, il m'en reste un à voir. Voilà. Qui est aussi une sortie qui a pas longtemps, mais je l'ai pas encore eu. Voilà. Et j'ai fait une commande, mais ça, je ne sais pas quand je l'aurai de Belgique Loisirs. Je pense que vous l'aurez dans le vlog précédent prochain. Voilà. Mais je suis contente de mes réceptions. Ils ont rien du tout, c'est encore mieux. Voilà, même pas un pet, rien du tout. Je suis très contente de mon état et de mes achats. Voilà, celui-là, je crois qu'il va pas faire long feu longtemps. Oups, mon écran. Voilà. Du coup, comme je suis aussi, je suis toujours dans ma lecture Meurtre et pépites de chocolat. J'avance pas. Hier, j'ai pas lu. Je suis à 97 parce que j'ai lu la page. Là, j'étais aux toilettes, j'ai eu cette page-là. Je suis là. Je suis à la page 197. Voilà, j'aimerais bien avancer parce que là, je suis même pas la moitié. Aujourd'hui, je vais lire. J'ai essayé d'aller lire. Voilà. J'ai traité mes mails. C'est fait. Je suis checkée. Ma viande est sortie pour ce soir. J'ai qu'à. Ah oui, il faut que je dise à monsieur des patates. Je n'ai plus de patates, du coup, il faut que je dise. Voilà, c'est fait. Envoyé pop, 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 à la poste. Voilà. Ouais. J'ai rien de prévu. Boire. N'hésitez pas à boire parce que cette semaine, il faudra que je vous essaye de vous mettre les semaines du 6 au 10. Il fait très chaud. Du coup, n'hésitez pas à boire. À boire et à boire. Beaucoup d'eau. Pas d'alcool, hein, beaucoup d'eau. Voilà. Et j'ai un Jean-Jean qui est arrivé, qui m'emmerde et qui me fait chier. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Ah, hier je vous ai pris, mais c'est vrai que il y avait celui-là aussi que j'avais reçu. Voilà, c'est un truc de bikers, mais j'en sais pas plus. Et c'est vrai que j'ai envie de le découvrir sans plus. Du coup, voilà, mais il restera un à voir. Voilà, que vous aurez peut-être dans, enfin, je dis dans ce vlog. Voilà, pour les trois, pour les 2 jours de réception. Voilà, après c'est tout. Parce que maintenant, il faut que je fasse économie, économie, économie. Parce qu'il faut que je déménage. Voilà, du coup, on va faire économie, économie pour essayer d'acheter ou de louer. On verra bien. On voudrait bien acheter, mais c'est encore moins sûr. Voilà, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut faire des prêts. Les prêts, c'est pas toujours évident. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ouais, j'ai rien à dire d'autre. Je suis fatiguée, le moral n'est pas au top. Comme vous avez peut-être vu dans les précédentes scènes, je suis pas vraiment au top top cette semaine. Mais j'avais envie vraiment de vous prendre dans ce vlog. J'hésitais à vous le poster, mais quand même, il y a des réceptions. Du coup, je vous le posterai. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier, j'étais chez mon psy et ça m'a fait du bien. Du coup, voilà. Aujourd'hui, là maintenant, je vais aller boire un coup. Essayer de manger un truc parce qu'il est midi et demi. Et de me reposer. Lire. Oh, lire. Lire, c'est mieux. On va essayer d'avancer dans ce livre. J'aimerais bien arriver à la page... J'aimerais bien aller aux 250, quoi. J'aimerais bien avancer. J'en peux plus. Il faut que j'avance. Il faut que au gros max, j'arriverai jamais. Demain, je suis pas là. Vendredi, je vais faire mon pic-pic dans mon genou. Je fais mon infiltration. Voilà. Ça, vendredi, je pourrais lire en rentrant. Je vais pour 8 heures faire mon infiltration. Du coup là normalement après je pourrais lire, avancer, si j'ai pas trop mal. Samedi dimanche, je ne sais pas ce qu'on fait et je pourrais essayer d'avancer aussi. Faut qu'au max pour le 15, il faut que lui soit lu. Parce que j'ai encore j'ai pas fini ma palle de septembre. Il me reste encore ces deux-ci à lire. Du coup j'aimerais bien avancer pour finir ces deux-là. Ça va aller vite, c'est un manga. Et celui-là, c'est quand même un roman. Je voudrais bien essayer de lire deux romans. Qui fait 325 pages. Du coup, j'aimerais bien avancer. Et voilà. Parce qu'en plus, les pages sont très, très, très blanches. Du coup, voilà. J'espère que ça va aller tout seul. Enfin, je vois qu'il y a des trucs où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Vous ne voyez même pas. J'essaie de vous montrer. Il n'y a presque rien d'écrit. Du coup, ça peut bien aller passer vite. Enfin, il y a quand même des pages où c'est beaucoup écrit. Ouais, quand même. Il y a plus d'écrit qu'autre chose. Voilà. J'ai encore ces deux-là à faire pour ma palle de septembre. Et au mois d'octobre, je checkerai ça avec vous. Voilà. Parce que maintenant, je vais essayer... parce que les cartes Pokémon, on va arrêter un petit peu pour le moment. Parce que c'est la folie et ça revient trop cher. Un booster, ça revient à 10 euros. Avant c'était un booster, on l'avait pour 5 euros, c'est double de prix, du coup on se dit un petit peu on va arrêter, puis on veut faire des économies pour essayer de notre futur chez nous, voilà, parce qu'il faut que je parte d'ici. Mais le problème c'est que louer, j'ai toujours les problèmes d'animaux, voilà, ils veulent pas d'animaux, des animaux en cage, ils mettent mes chats en cage quoi, voilà. Du coup, ben voilà. De tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vais prier plus longtemps que d'habitude. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous laisse. Et je vais aller boire, manger et lire. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard. Bye bye. Bonjour mes télévisions. J'espère que vous allez bien. Moi, ce vlog sera pas trop bien. Voilà. Par un jour ou deux. Aujourd'hui, je suis... mitigé, on va dire, ça va, mais sans plus. Voilà, on est jeudi 9. Jeudi 9, c'est ça. On est jeudi 9, j'avais raison. Du coup, je vous reprends dans le vlog. Je suis toujours dans ma lecture. Je suis bien avancée, je suis à 282. Je suis à la moitié. J'ai bien lu hier soir, j'ai lu une soixantaine de pages hier, du coup je suis contente, j'aime beaucoup, on commence à avancer, hop, je me tape dans les lunettes et je tousse, on avance beaucoup sur l'entrée, comme c'est plusieurs tomes, ben, c'est normal qu'on n'aura pas le meurtre, je pense pas qu'on aurait le fin mot de cette histoire, je sais pas combien de tomes il y a, faudrait que je regarde. Voilà, et autre chose, c'est que quand je suis rentrée, parce qu'au matin j'étais pas là, j'ai reçu un petit truc tout mignon, celui que je voulais absolument. Il est trop beau. Il est trop beau. Je sais qu'on va parler de hockey. Il est trop trop beau.
Je sais pas si vous allez voir les petits hockey. Enfin, les chaussures de hockey. La petite phrase qui m'a tenté, en fait, je l'avais vue partout sur Bookstab pour le moment. Beaucoup de monde le lit. Et du coup, ça m'a donné très envie. Oh, il est plié là, j'ai pas vu. Hop. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne peut pas retomber amoureux d'elle. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Voilà. Et c'est par Linda Whoop. Whoop. Je crois que c'est la même autrice du livre que je dois lire ce mois-ci. Voilà, faudrait que je regarde. Parce que j'ai un doute. Je crois que c'est la même autrice. J'ai un doute sur la chose. Moi, je pense. Je suis pas sûre, mais voilà. Du coup, il me tente bien. Il fait quand même pas mal de pages. 526 pages. 526 pages. Et je trouve trop mignon. Oups, je viens de le faire un coup. Voilà. Hop. Il est trop beau. Voilà, il me tombe très bien, très bien. Voilà pour ça. Je n'ai rien de spécial à vous dire. Je pense que ce vlog va vraiment être nul. Il y aura juste des réceptions de colis. Voilà. J'ai rien à vous dire pour le moment. Je ne bouge pas de chez moi. À part aujourd'hui matin. Mais voilà, ça ne vous intéresse pas. Demain, je vais à l'hôpital. Voilà, c'est pas ce qui va vous intéresser non plus. Je fais mon injection dans mon genou. Voilà, j'espère, croisons les doigts, que je n'aurai pas la même chose que la semaine, enfin, qu'il y a 15 jours, d'avoir mal et tout ça, tout ça. Ça a été trop vite. Déjà deuxième, enfin, que je dois le refaire, je veux dire, ça a été vite. Ça, c'est tous les 15 jours. J'en aurai encore une après et je serai terminée. Logiquement, si tout se passe bien, j'en ai pour 3 ans. Et après 3 ans, il faut recommencer les 3 injections. Ça me plaît un peu moins de faire ça. Mais si je n'ai plus mal, pourquoi pas. Voilà, croise les doigts sur ça. Voilà, j'ai mon chat qui fait le fou. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Je ne vais pas rester ici pour dire des bêtises. Je vous laisse et je vais continuer à lire. J'ai envie de lire là. Du coup, je vais aller avancer ça. J'aimerais bien le terminer. Voilà. J'aimerais bien le terminer pour commencer mes autres lectures. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain pour finir ce vlog. Et pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. J'ai mon chat à mes pieds. Sur ce, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est samedi, je vous ai pas pris hier, vendredi, parce que j'ai eu plein de petites choses qui s'est passé. Je vais vous expliquer ça. Mais hier en fait, vendredi, je devais aller faire mon injection à mon genou, mon infiltration à mon genou. Ça s'est bien passé, j'ai eu beaucoup beaucoup moins mal que merde, je casse tout, la première injection que j'ai faite l'autre fois, il y a 15 jours du coup ça s'est bien passé, j'ai pas eu trop mal, j'étais très contente. Comme je n'avais pas trop mal, j'ai profité, j'étais avec ma mamie, du coup j'ai été me renseigner au coiffeur. J'ai fait 2 coiffeurs dans mes environs, parce que en fait je voudrais bien arranger ça, voilà, parce que comme je vous ai dit, il y a eu des petites, enfin c'était ma soeur qui les faisait, mais il y a eu des petites disputes et elle travaille beaucoup. Du coup je me dis, je vais plus refaire ma couleur, je vais essayer de revenir à ma couleur normale. Voilà, du coup j'ai été me renseigner les prix et tout ça, c'est énorme les prix. Du coup j'étais avec ma mamie, on s'est renseigné. J'ai en effet 2. Et voilà. Et du coup, j'ai rendez-vous mardi. Du coup, vous allez voir du changement mardi. Je vous ferai, si je n'oublie pas, voilà, parce que moi c'est 2. Quand j'ai ma tête de blonde, parce qu'à la base, je suis blonde. Voilà. Et normalement, ça va revenir comme ça. Un peu châtain.
Ça aussi, il faut que je les fasse. Un peu. Ouais, c'est blond cendré, je sais pas. Enfin, soit. On verra bien la sortie de mardi. Je suis impatiente, stressée de voir ma tête. Voilà. Et puis, quand je suis rentrée, je me suis reposée une petite heure. Après, j'ai fait vite ce que je devais faire chez moi. Et du coup, je ne vous ai pas pris. Je me suis rentrée. Enfin, j'ai mangé aussi. J'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire chez moi. Quand monsieur est rentré, il s'est pris sa petite douche et on a été directement encore une fois revoir ma mamie. Je devais lui déposer des choses, du coup, voilà. Du coup, c'est fait. Je suis contente. Et après, on a fait quoi? Ah, on a été manger au Quick. Voilà, en amoureux. Voilà, parce qu'on avait reçu des bons. Des quicks avec des pourcents et tout ça. Du coup, on a profité d'aller manger en amoureux. Et quand je suis revenue, bah, j'étais plus à très. Mes idées très claires. Je commençais à avoir une douleur dans mon genou. Enfin, une douleur. C'est pas une douleur. Je dis douleur parce que j'ai mal. Ça me gêne. Mais c'est plutôt une gêne dans le genou. Je sentais que j'avais un peu forcé quand même. Il dit de faire. Vivre sa vie normale, mais il dit ne pas non plus abuser, mais là je vais quand même bien abuser, je pense. Et mes lunettes m'ennuient. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, je n'ai pas j'ai même pas lu, je pense. Je vais peut-être lu deux pages, je ne sais même pas en passant comme ça, mais non, je n'ai pas vraiment lu. Du coup, je suis toujours dans Pipit Meurtre et. Meurtre et pépites de chocolat, voilà. Ah oui, je voulais dire aussi, après avoir été manger au Quick, je suis passée à Trafic qui est juste à côté du Quick et j'ai rencontré un abonné. Je te dis bonjour, si tu regardes, je te dis bonjour et merci encore de me suivre. Hier, c'est vrai que j'étais pas en état, mais c'est après que j'ai pensé, j'aurais dû sortir mon téléphone et te faire montrer dans ce vlog comme quoi on peut trouver des abonnés. Voilà, partout où on va. Si la prochaine fois on se croit, j'essaierai de pas oublier de te faire. Si tu veux bien déjà, hein, c'est pas obligatoire. Si tu veux pas te montrer, c'est logique. Chacun son truc. Mais si tu veux, la prochaine fois, je porterai mon téléphone et je te filmerai et je te dirai merci en vlog comme ça. Merci à toi de me suivre, c'est très gentil. J'étais sur le coup j'ai pas réalisé parce que voilà, mais j'étais très contente. Mon premier abonné croisé dans le comme ça. Voilà, je te dis encore merci beaucoup. Voilà. Et n'hésite pas à mettre des petits commentaires, comme ça je sais que tu es là. Ça me ferait plaisir et je suis contente de te voir vu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en retard, du coup j'ai pas su monter le vlog hier. Pourtant vous devez l'avoir aujourd'hui à 10h, il est 11h30. Du coup là j'ai déjà monté une petite partie, enfin le reste de la semaine. Il me reste juste cette partie-ci à mettre. À vérifier tout et je vous la poste quand c'est possible, quand il voudra bien me le poster. Voilà, je sais même pas le temps qu'il fait là. Il fait 28 minutes plus là, cette petite partie. Du coup, voilà, il durera même pas 30 minutes, je pense. Enfin, un peu plus de 30 minutes maintenant. Voilà, mais voilà. N'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce. C'est gratuit et ça fait plaisir surtout. Et ça peut monter pour d'autres personnes qui voient la vidéo. Voilà. J'ai rien d'autre de spécial. Je vous étais en train de vous parler. C'est ça aussi que j'ai coupé. J'avance. J'ai presque fini. Il me reste plus grand-chose. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Voilà. Pourquoi 4? Ah, ah bah en fait je vais te l'avoir terminé plus vite que je pense. J'avais pas. Ouais, chapitre 25, 26. J'entends regarder, mais je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, après j'ai le prologue. Oh ouais, mais en fait, j'ai plus que ça à lire. Puis j'ai le prologue. Oh non, je pensais que j'avais plus à lire. Puis il y a une de recette. Ouais, en fait, ça, après, c'est d'autres choses.
tourne la page et découvre une nouvelle et encore plus de recettes. Coquille jar. Les lettres. Après là vous avez joyeux. Joyeux Noël. Candy. Ouais, ça je vais pas lire du coup. Non, je pense pas lire ça. Ça doit pas être dans le coquille jar du coup. Enfin, je sais pas. Mais lire. Il faudrait bien que je le termine. Voilà. Voilà, parce que je voudrais bien que mardi, que je puisse prendre un livre avec moi. Mais du coup, j'avais dans ma palle. Attendez, je vous chope celui-ci. Je vous le montre. J'avais celui-ci. Mais je sais pas si je vais le prendre celui-là ou si je prends un autre de poche. Vous voyez, le format. Je parle de du format. Hein. Je dis pas que c'est celui-là que je vais prendre. Mais le format de livre pour moi avoir plus facile en faisant mes cheveux. Je sais pas. Je ne sais pas. J'hésite encore. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'il soit lu quand même. Voilà. Et j'en avais un autre à lire aussi. C'est celui-ci. Ça, c'est un petit manga qui va se lire assez vite. Soit entre les deux. Je pense que ça va bien se lire. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien de spécial à vous dire. Je vais conclure ce vlog ici. Je vais vite le monter pour que vous ne l'avez pas trop tard. Au moins dans l'après-midi. J'essaie de vous le mettre pour 2 heures. Enfin, vous l'aurez déjà vu quand je dis ça. Mais voilà, vous l'aurez déjà vu parce que ce sera la fin. On va essayer de le mettre pour 2 heures aujourd'hui, samedi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même s'il n'y a pas beaucoup de trucs dedans. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Et en plus, même dans les moments difficiles, il faut se montrer. Enfin, je peux pas tout vous en parler, mais voilà. Mais ceux qui veulent en discuter, ils n'ont qu'à me retrouver sur Insta et je veux bien discuter avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait et c'est gratuit. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde.